Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM. Moments gênants, dérapages, anecdotes qui croustillent, tout est dans le débrief de la semaine sur RFM. Bonjour Gabi. Bonjour Albert. Bonjour Gabi. Bonjour Caroline et bonjour à tous. Ce fut une semaine plutôt spéciale. Déjà, on a appris que notre journaliste Sylvain Plancher était en quête d'un César du meilleur acteur. Il peut tout vous jouer. Sylvain peut jouer l'extase. Oh mon Dieu. Mais aussi la peur. Ouais, il va concourir dans la catégorie « Je n'ai qu'une seule ligne à apprendre dans tout le film ». Ça va être magnifique. Mercredi, on vous parlait d'un autre journaliste, nouveau visage de l'actualité, Hugo Décrypte. Il est suivi par des millions de gens sur les réseaux sociaux. Son vrai nom, Hugo Travers. Et Hugo Travers. Hugo Travers. Hugo Travers. Hugo Travers. Hugo Travers. Hugo Travers. Voilà, on est tous d'accord là-dessus. Sauf Caro, elle était visiblement sur quelqu'un d'autre. Hugo Travers. Ah, il s'appelle Travers. Hugo Travers from London. Ouais. Caro est bilingue, on l'a surpris en train de dire qu'elle adorait Le Meilleur des Réveils en anglais. Écoutez. C'est quand même dingue, son of a bitch. Ouais. C'est la vraie traduction. Mais je, ça va pas. Vous, je vais pas en train d'avoir trop de problèmes quand même. Hein. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, la semaine de la honte. Un peu, ouais. Le meilleur des réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide de 6h à 9h30 sur RFM.